Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pro Cycling Manager 2015. On va se retrouver pour un nouveau tour, un petit tour en Espagne, une petite Vuelta de Mallorca. Donc avec 4 étapes seulement, et peut-être l'occasion de faire un petit maillot, on verra bien. On verra bien, ce serait intéressant. Après, qu'est-ce qu'on aura ? L'étoile de baiser, j'en ai pas inscrit. Mais on pourrait. C'est du 3. Ouais, on pourrait. Ouais, c'est pas vraiment ultra intéressant pour nous. Ouais, c'est pas très intéressant pour nous avec un petit contre-la-montre à la fin. Le tour du Qatar, c'est tout plat ça, non ? Ouais, c'est un tour pour les sprinters. Une petite spéciale qui monte. Ici, pas très intéressant. Et puis ici, encore un tour. Qui promet aussi d'être intéressant. Parce qu'il y a quand même des... Ça monte un petit peu. Un tour portugais. Avec des contre à la montre. Ça, je kiffe pas trop. Donc on voit qu'on a reçu une prime quand même de 9 500 euros. Pour nos performances sur le premier tour. Ça fait plaisir, hein. Ça fait un peu d'argent. Donc on voit aussi que cette course, ce tour, je pense que le tour entier, est un objectif d'un de nos collègues, un grimpeur. Mais on est meilleur grimpeur que lui. Il est bien meilleur baroudeur que nous, mais il a bien meilleure récupération. Mais on est meilleur à la montagne, on est meilleur en plaine. Donc, qu'est-ce qu'on est ? Ouais, on est toujours leader. Sûrement en l'absence de Boigny. Il y a un collègue sprinter. On va regarder un petit peu ses stats. 77 et 79. Ouais, c'est pas mal. Il peut faire des choses. On n'a pas... Ah. C'est une course pour les sprinters, mais ouais, c'est une course pour les sprinters, effectivement. Ça va, on a 2 sprinters dans l'équipe qui sont classés dans les petits favoris, donc on va simuler parce que du coup ça ne nous intéresse absolument pas cette course. On finit 83ème à plus 10 du général. Ouais. Et on va plus 0 sur l'étape. Et c'est Peter Sagan qui gagne. Adrien Petit finit 10ème. C'est pas mal. Allez, la deuxième étape, qui va être un peu plus intéressante. Un peu plus intéressante. Ouais. On va la faire quand même, parce qu'il y a un petit peu de montagne. Quelques petits points de montagne à les récupérer, alors peut-être des points par-ci par-là, ce serait plutôt pas mal, notamment le premier point de montagne, ce serait bien. Peut-être le deuxième aussi, pourquoi pas, s'il n'y a pas d'échappée. Bon, ça va être un peu tendu de tenir un peu le peloton. On a l'air d'être assez nombreux. Encore Peter Sagan qui est favori. Ouais, c'est le meilleur sprinter bien comme il faut, quoi. Hein. 171 coureurs au départ. On est dans une bonne forme. On est le seul dans une bonne forme. Eh bien, bonjour à vous. Cette course est relativement plane. Ah, ça va. C'est vraiment le terrain de jeu des gros rouleurs. On est vers l'avant. C'est parfait. On va se mettre à côté de monsieur Sagan. Il y a déjà le numéro 1. C'est un maillot jaune.
Il y a un maillot blanc et il n'y a pas de maillot à poids encore forcément, on n'a pas fait de point montagne. Bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas du tout eu de point montagne. On va se mettre à côté de Peter. On va se mettre à côté de Peter. Attaque! Il n'a pas dû étudier le parcours pour s'engager si tôt. Et on va suivre. Et on va suivre le garçon. On prend bien la roue. Putain, il attaque lui comme un vieux cochon. Allez. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Allez. On veut ce putain de point. Voilà. Il y a maintenant plus d'une minute d'écart entre le peloton et l'échappée. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Voilà, ça fait 16 points. Et on se relève tranquillement. Faut se calmer avec ces enfants. Ils ont accéléré exprès pour... Le peloton vient de reprendre les échappées. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappées. Ça y est, le peloton est là. Commence à une flèche vers le bas. Direct, le mec il commence, il est pas en forme. On a pris les premiers points de la journée. Il y a du vent? Ouais, quand même. Quand même un peu de vent. Est-ce qu'on laisse passer? Parce que tout le monde peut nous prendre des points. On accélère maintenant devant. Allez, on suit. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté. C'est vrai que quand on attaque et quand on est dans les roues, ça nous consomme beaucoup moins d'énergie. C'est plus intéressant de suivre les attaques que de les déclencher finalement. Nouvelle tentative en tête de peloton. Là, je bénéficie pas de l'aspiration. Il a pris des points, lui. Je ne sais pas. L'échappée est terminée. Le groupe vient d'être repris. Mais ça va attaquer comme des sacs encore. Je les connais, ils vont attaquer comme des sacs. Voilà. On relance l'allure en tête de course. Allez, on suit, on suit, on suit. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Allez. On suit, on suit, on suit. On va suivre notre coéquipier. Parce que je pense qu'il va... Il va vouloir jouer le sprint. Oh l'enculé. L'enculé. Le peloton vient de reprendre le groupe. C'est bien mon ami petit... La 40 km la prochaine. Je sais pas d'où il est sorti, petit là, mais il a fait une espèce d'accélération. Les coureurs ont augmenté leur allure. Et on assiste encore à une nouvelle attaque. Ils me font chier. Ils m'embêtent sérieusement.
comment c'est à la fin? On a quand même un plus 2. Échappé, terminé, le peloton ne leur a laissé aucune chance. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va peut-être lancer la poursuite. Schleck. Il est sorti du peloton comme une balle. Non, c'est pas Schleck. Non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, c'est pas la peine, on va pas se fatiguer. C'est pas la peine. Ça attaque dans tous les sens, mais plus il y a d'échappés d'un côté, plus ça m'arrange parce que. Un coureur tente sa chance en solitaire. L'écart est maintenant de plus d'une minute. On va se laisser un peu, un petit peu rattraper par tout le monde. Vous laissez partir le maillot jaune comme ça. C'est au courant que c'est... Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir... On va le laisser, il va se fatiguer tout seul. On va le laisser se fatiguer, là, le maillot jaune. Il s'est arrêté de rouler, d'ailleurs. Le maillot jaune, il fait une échappée, quoi. En tout cas, j'ai pris mes premiers points montagne. On se mettra à 65. Ouais, il se laisse reprendre. Reprend du terrain sur l'échappée. Il s'est laissé reprendre le maillot jaune. Et tant, ça roule à une vitesse incroyable. On est en bas du peloton. Oh non. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. C'est clair. Là, le peloton est en train de faire une espèce de remontée. Il ne souhaite pas laisser partir ses coureurs. Petit. Il y a une échappée encore de maillot jaune. Putain, il y a des espèces de cassures monstrueuses. Allez, le prochain point montagne, il va être gagné par qui? Les deux, ils sont pas bons. Bon, tant mieux, s'ils sont pas bons en montagne, du coup, ben, on pourra les rattraper facilement. On a déjà 16 points. Ils sont 4 devant, donc c'est même pas la peine d'aller essayer de chercher un petit peu de points. On va leur laisser. Crevaison de la roue avant. Ah non, crevaison de la roue arrière. C'est marqué roue arrière sur le... en haut à gauche. Ah mais ils sont devant. Mais ils sont juste devant. On a 16 points. Anthony de la place. Est-ce qu'il va en faire de la place? On est retombé à 0. Est-ce qu'on les aura rattrapés d'ici le prochain point? Je sais pas. Ce serait bien, mais... Ça serait bien, mais je doute. Je doute, je doute. City.
Faut que je me vide de la place. Si je reprends un seul petit point, mais... j'y suis foutu. De la place, il est... Ouais, il est pas mauvais en montagne. Par contre, il est pas mauvais en montagne. Et il pourrait tenir. Allez. Il faudrait revenir les gars maintenant. Le mec qui veut qui vient inciter le peloton. Il faudrait revenir les gars un petit peu là. Il faudrait arrêter de faire les cons. Putain, on était passé à plus 2. Et on est revenu à 0. Quand je vous dis que je suis l'homme le moins en forme du monde. Ah bah tant pis, on va le perdre notre maillot. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Attaque à l'avant du peloton. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Qui c'est qui se décroche? De la place. Ouais, il va prendre des points. Salaud! Salaud, il est allé chercher le maillot. C'est un outsider, ça. Tiens, s'il arrive à l'avoir, le Owen, là. Alors qu'il est pas bon du tout en montagne. Il est pas mal hein, de la place. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. 28 points, le salaud. Salaud. Bon, on en a 16, c'est toujours ça. C'est toujours ça, on en a 16. Allez, on va bientôt aspirer ce qui reste. Tiens, on a Feuillu avec nous. On l'avait déjà. Nous, on est intelligent, donc on va suivre le meilleur sprinter. Le peloton réduit l'écart petit à petit. Il reste maintenant 15 km de course. On va se coller au cul de Chagan. Sauf que là, tu le suis pas là. Tout le monde veut le suivre en fait. Je pense que c'est ça. Est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Je pense que c'est parce... Je pense que c'est parce que tout le monde veut le suivre. Aucune chance. Allez. On suit Monsieur Chagan. Lui au moins, on sait qu'il va jouer le sprint. Maintenant à 10 km de l'arrivée. Putain, cette espèce de train de fou. Les sprinteurs vont se replacer à l'avant du peloton. Nous ouais. Allons probablement assister à une arrivée groupée. Un sprint massif, une arrivée groupée. On va tenter notre chance au sprint. Putain, il a un bon petit train. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Même moi, le non-sprinter. Le moins bon sprinter de mon équipe. Ah, il est là, petit. Il est là, petit. Il a suivi le maillot. Le maillot vert, je crois. Allez. C'est bien que le temps il ralentisse comme ça pendant les sprints. Toi, je sais pas pourquoi il sprint direct. Non, il relance, il sprint pas, il relance. Ça y est, le sprint est lancé. Est-ce qu'on va faire une accélération? Rojas là. Attention, un leader est décroché. Rojas. Oh là, oh là, oh là, oh là. Putain, Chagan quoi. Le mec quoi, il met une mine à tout le monde. Eh bien voilà. Victoire en solitaire du Slovaque Peter Chagan. On finit, allez, on doit finir dans les 15 premiers. Adrien Petit qui finit 6ème. On n'est pas sprinter. Le problème, c'est que quand on suit, j'ai l'impression que il se met à attaquer trop tôt.
Parce que là, ouais, là on était. On était là, mais on était déjà crevés, quoi. Peter Sagan qui gagne encore. Ah, on est 8ème. Cool. En montagne, on est 5ème avec 16 points. On est meilleur jeune. On a le maillot blanc. C'est toujours ça. Ah, il y a un bras là. On est meilleur jeune, on finit 13ème. Et on est 13ème à 18 secondes. Pourquoi on est à 18? Et les autres, ils sont à... Il y en a qui sont à 20. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, ça va monter. Donc, je pense que c'est une étape qui va nous prendre du temps. Donc, je pense qu'on la fera dans un prochain épisode. Pour éviter de faire des épisodes trop longs. Alors, dans les tout petits favoris. Ça va être chaud. C'est qui les favoris? Je connais pas ce gars. Je connais pas. Ouais, c'est pour les grimpeurs cette étape. C'est pour les grimpeurs, mais on a l'occasion de faire quelque chose même si ça descend après le col. Mais il y a l'occasion de prendre des points montagne peut-être. Peut-être, peut-être. En tout cas, on est meilleurs jeunes, donc ça fait plaisir, on a toujours un maillot. Meilleur à plus 0. À plus 0, mais il y aura peut-être moyen de prendre. De faire des écarts. De prendre un maillot sur cette étape, un nouveau maillot. On est 8ème au général, c'est pas mal. Il est 6ème au général, petit, ben, c'est bien. Et celui pour qui c'était. Oh merde, mais il est plus là. Il y en avait un pour qui c'était un. Ben voilà, c'est lui. Il est 120ème, c'était un de ses objectifs. Hein. Bon allez, on va s'arrêter ici pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur Pro Cycling Manager 2015. Allez, ciao.